Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Les étalons se sont inclinés hier en Algérie, 1-0 face au Fenech à match retour des barrages zone Afrique de la Coupe du Monde 2014. Pour le moment, le résultat acquis sur le terrain reste et demeure. Notre invité est le secrétaire général de la Fédération Burkinabé de football. Les universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO, sont lancées depuis ce soir autour du thème « Communication, paix et démocratie en Afrique ». Ce matin déjà, les invités sont allés visiter le musée national. Là aussi, nous accueillerons le professeur Serge Théophile Balima comme invité. Ainsi donc, l'Algérie s'est qualifiée hier pour la Coupe du Monde qui se disputera l'année prochaine au Brésil. Le match a mobilisé les supporters du Burkina aux quatre coins du pays dans une communion totale jamais vue. Ainsi, à Ouagadougou, ils se sont rencontrés à divers endroits pour vivre ensemble la rencontre Algérie-Burkina. Reportage, Yacouba Ouedraogo. À ce rendez-vous des étalons du Burkina avec l'histoire du football mondial à Blida en Algérie, à des milliers de kilomètres du Burkina et de sa capitale Ouagadougou, les supporters ouagalais veulent être le plus proche possible de leur 11 national. Ils se donnent rendez-vous à plusieurs endroits pour vivre le match en direct, comme ici à un espace non loin du siège du CIAO, sur projection écran géant. Assis à même le sol, installés dans des chaises ou perchés sur des murs, il ne faut pas se faire compter cet événement. 90 minutes de suspense. Dès l'entame de la partie, ces milliers de supporters connaissent un court instant de bonheur sur un but de Charles Kabore en position avancée. But refusé. Il faut encore se patienter. À la mi-temps, le score est de 0-0 et pour l'heure, le Burkina est qualifié. J'ai toujours l'espoir, j'ai beaucoup d'espoir même d'ailleurs. À la reprise, les étalons sont à 45 minutes de Rio. Mais le doute et l'amertume s'installent tout de suite lorsque les Verts d'Algérie ouvrent le score suite à un cafouillage dans la surface de réparation burkinabé. À cet instant, le Burkina est éliminé et les visages se froissent davantage. Bertrand Traoré et Aristide Bansé, puis Alain Traoré foulent la pelouse. Malheureusement, au coup de sifflet final, les étalons sont éliminés. Mais les inconditionnels ne sont pas déçus, en tout cas de la prestation de leur 11 national, mais pointent du doigt celle de l'arbitre sénégalais. L'arbitre avait joué avec eux. Ils étaient doux sur le terrain. Non pas 11. Ils ont joué jusqu'à la fin. C'est que l'arbitre n'a pas fait son jeu. La grande chevauchée des étalons s'arrête à Blida pour la course au Mondial Brésil 2014. Mais les supporters burkinabés gardent le cœur étalon et espèrent pouvoir goûter aux délices d'une participation à la Coupe du Monde pour les prochains rendez-vous. À Kourou, les supporters des étalons se sont fortement mobilisés autour de l'équipe nationale et la défaite des nôtres a fait l'effet d'une douche froide. Retour sur l'ambiance qui a prévalu hier dans le Boule Tiemdé avec Abdelai Kabore. Étalons du Burkina Fenech d'Algérie était très attendu par tous les Burkinabés. À Kourou, les inconditionnels supporters des étalons croyaient en la première qualification des étalons à une Coupe du Monde. Mais hélas, le but marqué par Bouguera en début de seconde période n'a pas pu être égalisé. C'est la désolation, la consternation, l'amertume chez ses supporters après le coup de sifflet final de l'arbitre sénégalais Badra Diata qui s'est mué en algérien. Voilà, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas ce qui n'a pas marché. Mais c'est pas normal. Quand on voit les 4 minutes d'arrêt de jeu qui se terminent en 1 minute, quand on voit la manière dont l'arbitrage nous a torpillé, c'est décevant, c'est décourageant. Je ne sais pas quoi dire. La ville de Kourou était naturellement froide, comme partout au Burkina. Les étalons sauront certainement se ressaisir et apporter encore de la joie dans les cœurs burkinabés. Alors, Bertrand Kabore, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bazé. Alors, vous êtes le secrétaire général de la Fédération burkinabé de football. Une rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre cet après-midi, estimant que le Burkina était qualifié en lieu et place de l'Algérie. Alors, qu'en savez-vous? Bon, merci Monsieur Bazier, merci surtout à la télévision nationale du Burkina et de nous donner l'occasion de nous prononcer sur cette rumeur qui effectivement
a fait couler beaucoup de salive surtout. Je dirais que c'est aux environs de 15h30 que nous avons effectivement appris que des gens manifestaient leur joie à travers le pays parce qu'ils auraient appris que la FIFA donc a disqualifié l'Algérie au profit du Burkina Faso. Alors nous-mêmes, nous avons cherché à aller à la source pour comprendre ce qui se passait. Et lorsque nous avons pris contact avec la FIFA, et la FIFA nous a laissé comprendre que pour le moment, elle n'a pas encore pris de décision dans ce sens. Donc je voudrais dire pour le moment que le résultat acquis sur le terrain, comme vous l'avez annoncé, est encore de vigueur. Est en vigueur du moins, et que pour le moment, certes, nous avons déposé une plainte, mais la FIFA n'a pas encore pris de décision. Alors, la réserve que vous avez posée hier en Algérie à Blida, c'était sur quoi? C'est sur un joueur algérien, c'est sur l'arbitrage? Qu'est-ce que vous avez fait comme réserve? Bon, je ne voudrais pas m'aventurer vraiment sur le contenu de ce qui a été fait à Blida, mais je peux vous dire que c'est plutôt une réclamation. Et lorsque le coup de sifflet final a retenti, et nous avons estimé qu'il y avait quand même des faits de jeu qui méritaient donc de faire l'objet de réclamations. Et le capitaine des Étalons, Charles Kabouré, est donc allé formuler cette réclamation en bonne et due forme, puisqu'il fallait faire cela en moins d'une heure après le coup de sifflet final. Et aujourd'hui, donc, au niveau du comité exécutif de la fédération, nous avons peaufiné notre plaidoirie, je dirais. On a confirmé cette réclamation. Ça a été transmis également par voie électronique et aussi par DHL. Et nous pensons que la FIFA l'a bien reçu, puisque j'ai eu un responsable de la FIFA cet après-midi qui nous a rassuré qu'ils ont bien reçu notre réclamation et que la commission habilitée allait examiner cela. Alors, monsieur le secrétaire général, combien de temps faut-il entre le dépôt d'une réclamation et, en tout cas, l'examen de cette réclamation par les instances compétentes footballistiques? Combien de temps faut-il? Bon, il n'y a pas de délai en tant que tel, parce que la FIFA est libre d'ouvrir l'enquête et c'est l'enquête qui va donc déterminer le temps et que cela peut prendre. Et donc, je ne peux pas vous donner un délai, mais nous restons également à l'écoute, bien sûr, et dès que nous aurons des informations, nous n'allons pas hésiter à porter ça à la connaissance du public sportif. Alors donc, vous affirmez haut et fort que pour le moment, le match gagné par l'Algérie reste et demeure, en attendant que les instances de football international vérifie, examine notre réclamation. Oui, effectivement, il y a bien sûr un temps pour homologuer les résultats d'une rencontre, et je pense que... Sachant que le tirage aura lieu le 6 décembre. Oui, bien sûr. Donc, vous comprenez bien que s'il n'y a vraiment pas de difficultés particulières, la FIFA va décider rapidement de qui a remporté finalement cette rencontre. Alors, est-ce qu'il y a un cérémonial, ça n'a rien à voir avec la réclamation, est-ce qu'il y a un cérémonial pour accueillir les Étalons et quand est-ce qu'il y reviendra à Ouagadougou? Bon, je dois vous dire que les Étalons sont déjà là, puisque nous-mêmes, on a eu le privilège de les accompagner à Blida. C'était pas facile. Et je pense que le ministère des Sports a pris une très bonne décision en faisant rentrer immédiatement l'équipe, parce que si vous voyez comment nous avons été accueillis à Blida et comment notre convoi a été à plusieurs reprises caillassé, et franchement, j'avoue qu'il était mieux de rentrer immédiatement, et cela a été fait, et l'équipe est arrivée à Ouaga aujourd'hui même à 6h30 du matin. Voilà, merci beaucoup Bertrand Kabouré, secrétaire général de la Fédération Burkinabé de football, qui est venu nous donner des précisions sur la rumeur folle qui s'est répandue comme une traînée de poudre jeudi à Ouagadougou et dans toutes les grandes villes du Burkina, et qui annonçait que l'Algérie avait été disqualifiée au profit du Burkina. Il n'en est rien pour l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, donc le Burkina Faso est éliminé. Il n'ira pas en Coupe du Monde. J'espère
que cette sympathique équipe aura plus de chances dans 4 ans. Je dirais que c'est dans la règle des choses, hein. C'est tout à fait logique et normal que ce soit l'Algérie, vu son expérience et tout ce qu'elle a montré, notamment dans les phases finales. Hein, si nous avions des dirigeants vraiment compétents, je pense que dès 1982, on aurait pu aller loin et même très loin. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais nous avons quand même eu des expériences, donc il y en a eu 3, hein, très importantes. Vous avez remarqué que les Algériens se transcendent quand il y a de très grandes équipes, on fait des matchs magnifiques. Vous avez vu contre la RFA en 82, nous avons battu l'ogre allemand, le champion du monde, à plusieurs reprises. En 86 au Brésil, nous avons perdu contre le Brésil, nous avons fait un match extraordinaire, et c'était celui qui allait marquer, hein. C'est les dires de Zagallo même, l'entraîneur du Brésil à l'époque. Et vous avez vu Algérie-Angleterre, donc en Afrique du Sud, le match que nous ont sorti les poulains de Rabah Saadane, qui était entraîneur à cette époque. Bon, là n'est pas la question, mais je voudrais parler du président de la Fédération Burkinabé de football, la FBF. Je le dis, ce monsieur est un menteur, ce monsieur est un... dit n'importe quoi. Hein. Ce monsieur accuse tout un peuple de choses qui ne sont pas vraies. Et nous allons voir cela ensemble. D'abord, pour les 4 minutes, bon, tout le monde a vu, c'est vrai, ça peut prêter à confusion. Mais nous allons voir ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'il y a eu 4 minutes? Est-ce qu'il y a eu moins de 4 minutes de temps additionnel? Ou plus de 4 minutes de temps additionnel? Ça, c'est une erreur. Donc, de la régie, de la télévision. Le chronomètre est devenu fou. En fait, je suis convaincu que c'est la manipulation du technicien, celui qui s'occupait du chronomètre, qui a voulu faire une chose, il a voulu faire une chose, il a fait d'autres. Alors, on va voir cela ensemble. Tout d'abord, nous avons un chronomètre à 45 minutes, ça veut dire que c'est la fin du temps réglementaire. 45 minutes. Ensuite, il passe à 93-21. Ça, c'est le temps réel, 93 minutes. Et il repasse ensuite à 90. Parce que certainement, il voulait mettre le temps additionnel sous les 90 minutes. Et puis il n'a pas pu. Et là, donc, nous sommes dans le temps additionnel. Ce que vous voyez là, c'est le temps additionnel. Donc, ça va aller... au-delà de 4 minutes. Donc tout ce temps-là, et l'erreur de ce technicien, c'est de mettre le temps additionnel bien après, et de le mettre à zéro, ce qui est incroyable. Donc vous pouvez constater que le chronomètre est arrêté, d'ailleurs les commentateurs de Canal Plus ont fait la remarque. Donc j'ai mis un zoom sur le chronomètre. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, le temps s'écoule. Et on est toujours à 90 minutes, donc on n'est pas encore dans le temps additionnel. Si on suit l'horloge, si on suit le chronomètre, on n'est pas encore dans le temps additionnel. On est en train de jouer le temps réglementaire. Et c'est ça qui a
perturbé, disons, ou fait croire qu'il n'y a pas eu 4 minutes. Donc, regardez tout ce temps-là. C'est incroyable qu'on ne puisse pas gérer un chronomètre. Voilà, tout ça, c'est du temps additionnel, mais quand on suit le chronomètre, ben non. Et là, le temps additionnel commence, vous avez vu? Donc les gens vont dire que oui, c'est à partir de ce, il y a 10 secondes de temps additionnel à l'heure actuelle, alors que plus de 2 minutes sont déjà passées. Voilà, donc. Et c'est pour ça que les gens, surtout les Burkinabés, parlent de ce temps additionnel et qui disent qu'il n'y a pas eu de temps. Eh bien, je vous garantis qu'il y a eu plus de 4 minutes de temps additionnel. Concernant le tacle de Bouherra, et effectivement, c'est une agression caractérisée sur le joueur, donc Bouherra mérite bien un carton rouge, c'est indiscutable. Mais qui est à incriminer? Est-ce que c'est Bouherra ou l'arbitre, ou l'équipe nationale d'Algérie, ou l'Algérie? Eh bien, il faut voir avec l'arbitre, n'oubliez pas, il vous a donné un pénalty. Je ne sais pas d'où il a sorti, et il nous a retiré un pénalty de Slimani en première mi-temps. Voilà. Sans rancune, et bravo pour le Burkina Faso, bravo pour l'Algérie. Ciao. La sélection nationale du Burkina Faso est arrivée hier soir très tard à Alger vers 1h du matin. Leur ministre des Sports les accompagne pour cette rencontre. Les autorités algériennes ont évidemment été sur place pour les accueillir. La sélection burkinabé rêve d'une première participation au mondial. Elle était au stade Tchaker d'ailleurs à Blida tout à l'heure. Rappelons que les Burkinabés sont vice-champions d'Afrique 2013 en Afrique du Sud. On écoute d'ailleurs justement les impressions du ministre des Sports et de l'entraîneur du Burkina Faso. Nous sommes en tout cas déterminés pour une fois, en tout cas à mener le Burkina Faso à une phase finale de la Coupe du Monde. Merci beaucoup et merci pour l'accueil. On joue contre l'Algérie qui ont déjà participé 4 fois dans la Coupe mondiale, qui a prouvé beaucoup de choses, qu'ils ont des bons joueurs, joueurs avec des expériences, joueurs qui jouent dans des hautes compétitions. Alors, on le sait tout ça. Ils ont joué un bon match à Ouagadougou aussi. Et on connaît et on respecte les Algériens. Mais on peut le dire, on a joué la finale à la CAN. On a aussi se qualifié pour jouer le match de barrage. Ce sera difficile, mais je pense que c'est l'équipe qui sera la plus sereine. C'est l'équipe qui va mieux supporter la pression, qui pourra avoir donc le gant de la partie à l'issue des 90 minutes. Allez, on va poser la dernière question. Lucina, vous avez parlé d'Alain Traoré tout à l'heure. Donc le retour pour vous, est-ce qu'il apportera beaucoup pour l'équipe du Burkina Faso en sachant qu'il est en manque de compétition? Vous savez, hein, Alain, il a un double rôle, Alain Traoré, dans cette équipe des étalons. Il fait partie de cette génération-là qui monte, cette génération qui a fait parler d'elle lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Alain Traoré, n'eût été sa blessure, aurait fait partie sans doute des meilleurs buteurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Sa blessure, c'est vrai, a handicapé son club, Lorient, mais aussi a handicapé l'équipe nationale du Burkina Faso. Parce que ce que vous ne savez pas, Alain Traoré, en termes d'ambiance, en termes de vécu, dans cette équipe-là, il apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aujourd'hui, il a son petit frère aussi qui le rejoint dans l'équipe nationale, qui vient de signer son premier contrat pro à Chelsea. Il s'appelle Isidore Bertrand Traoré. Il est très en forme. Alain Traoré, il a pu jouer déjà 77 minutes lors de la dernière rencontre de Ligue 1 en France avant de venir. Je pense, comme il a dit lors du stage, il revient à son meilleur niveau. Et Alain Traoré, même à 70%, est un pion essentiel dans l'équipe du Burkina Faso. Je vous remercie. Un petit pronostic, Lucina? Alors, un pronostic pour le match de demain? Vous savez, je suis journaliste et j'ai du mal à faire des pronostics. Moi aussi, hein? Je pense que c'est l'équipe qui aura, comme je l'ai dit, tu auras
à supporter mieux la pression, l'équipe qui aura la plus envie hein, de prendre le ticket pour la Coupe du Monde qui va gagner. Je souhaite que le meilleur gagne demain. Voilà, ma réponse est la même, que le meilleur gagne. Merci beaucoup Lucina, merci beaucoup. Merci, on se verra demain, Inch'Allah, au stade.